J'y perçois de l'émotionnel derrière. Quelque chose qui t'anime en toi. Qui t'anime et que tu essaies de cacher. Qui est sans doute une trop grosse, ah ouais, c'est ça, une trop grosse prise de risque pour toi. De mettre ce quelque chose qui t'anime comme, et c'est quelque chose qui voudrait sortir et de la mettre ça à l'extérieur. C'est un émotionnel vraiment puissant, quelque chose qui te permet d'être en place, quelque chose qui te permet de retrouver ta valeur. Voilà, c'est ça. Ta valeur est intérieure, pas extérieure. Voilà ce que me raconte ta structure. Donc forcément, tu refuses de mettre ça à l'extérieur, et d'autant plus si une personne pourrait potentiellement te dire, mais c'est super ce que tu fais. Ça viendrait contrecarrer un autre étage de ton être qui a posé le choix d'être nouveau rien, d'être quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Ouais, c'est plutôt ça d'ailleurs. Donc, tu crées quelque chose, tu crées un système où tu n'es ni chez toi ni chez l'autre. Et ça, c'est le meilleur moyen pour toi de ne pas bouger. Non, 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 je ne vais pas chez moi. Ah non, 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 surtout pas chez vous. Et donc, tu bouges pas, tu restes en place. Une énergie de stagnation totale. À partir de là, ça te permet des choses aussi. Ça te permet de voir comment fonctionnent les choses. Ça te permet de... Ah, d'accord, ok. L'info d'évolution pour toi, c'est utilise cette énergie de stagnation pour entreprendre quelque chose. Pour dire, ah bah tiens, ça résonne en moi. Parce que le fait que tu stagnes, ça veut dire que le fait que tu sois dans un espace où tu ne vas ni chez toi ni chez l'autre, ça te permet de justement bah, prendre ton temps. Prendre ton temps pour voir petit à petit ce qui résonne en toi. Pour t'approcher de toi, pour rentrer en toi petit à petit et de connecter ce toi intérieur avec les autres. Il y a autre chose. Ah, d'accord, c'est ça. T'as peur que l'autre prenne le pas sur toi. Et tu te penses incapable de faire face à l'autre. Voilà ce que ça résonne dans le fond. Tu ne laisses pas l'autre, tu ne laisses pas l'autre le loisir de s'exprimer quelque part. Parce que tu dois garder le contrôle sur l'autre. C'est ta protection à toi. Tu préfères mourir à toi-même et ne pas t'ouvrir à l'autre. Dans tous les cas, tu es sûr de ne pas faire bouger les choses. Dans tous les cas, tu es sûr de ça. C'est à toi de voir si maintenant, ce que j'aurais beau te renvoyer ce que me raconte ta structure, c'est à toi de décider si tu crées un espace pour t'exprimer, pour te valoriser toi-même, parce que oui, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de te valoriser. La vie n'est pas un espace de compétition où il y a le premier, le deuxième, le troisième, et les autres sont des merdes. La vie, c'est un espace de libre expression dans lequel tu as le droit de t'avouer vaincu. Tu as le droit d'être la meilleure. Tu as le droit d'être la dernière. Il y a vraiment un verrouillage central, névralgique encore, là-dedans. Et tu tournes autour de ça. L'expression de soi pure et simple. Et la liberté qui en découle. Et qui en est l'origine aussi. Merci pour ta question.